Jean-Luc qui dit, est-ce que les blessures de l'âme peuvent être une piste et qu'on oublie de prendre soin de son enfant intérieur? En fait, les blessures, là, c'est sûr qu'une blessure que tu as eue dans ta vie, oui, ça peut être pendant ton enfance, mais ça peut aussi être après. Fait qu'une blessure psychologique que tu as eue dans ta vie qui n'a pas été soignée, ça s'infecte. Puis, ça donne des symptômes. Puis les symptômes, tu sais, ben c'est ça. Il y a plusieurs personnes que ça peut être l'anxiété, que ça se rend jusqu'à l'anxiété. C'est pas au début, là. Ça, c'est probablement que si j'ai une blessure pas soignée, je me suis mis à avoir des émotions désagréables liées à ça, éventuellement des symptômes. Puis si j'ai continué de négliger de soigner ma blessure, je peux me rendre jusqu'à l'anxiété. Mais oui, ça peut être une blessure infectée, qui serait l'infection derrière. Puis, puis tant que vous ne soignerez pas cette infection-là, vous ne pourrez pas vous débarrasser de l'anxiété. Puis Dieu merci, c'est comme ta sagesse intérieure qui t'informe que tu as quelque chose à t'occuper. Puis tant que tu t'en occupes pas, elle va continuer de te dire de t'en occuper. S'il y a quelqu'un qui ne te laissera jamais tomber dans la vie, c'est bien ta sagesse intérieure. Tant que tu t'en occuperas pas, elle va continuer. Au début, elle murmure. Si tu l'écoutes pas, elle va te parler, puis si tu l'écoutes pas, elle va hurler, puis elle va hurler toujours de plus en plus fort. Fait que oui, tout ça pour dire, Jean-Luc, que oui, ça peut être, en effet, ça peut être une blessure.